Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sous cette pluie battante pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4, évidemment, avec l'épisode 8. J'espère que vous suivez toujours. Jusqu'ici, on s'était arrêté un petit peu, entre guillemets, à la volée. Il y avait un petit trésor là-bas que je pense nous allons récupérer. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, évidemment, très important, les amis, n'oubliez pas le j'aime. Et le commentaire, voilà, faites-le d'office, comme ça, après, il n'y a plus à y penser, je vous dérange 5 secondes et on passe directement à la suite, mais sachez que ça fait extrêmement plaisir et ça soutient énormément. Prenez un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger, évidemment, et puis on est parti pour se faire plaisir, forcément. Il y avait un truc où ça, c'était là-bas, on est d'accord, hein, c'était totalement là-bas. Là où on avait justement trouvé Louis. Et vu qu'il y avait une cinématique, on n'avait pas d'autres trésors. Il y a 3 ans, ma fille bien-aimée s'est éteinte peu après avoir donné naissance à son fils. Depuis, le petit garçon a bien grandi. C'est un enfant très curieux et avide d'apprendre. Il essaye même de suivre quand je sors chasser. Je ne peux pas le quitter des yeux un seul instant. À chaque fois que nous marchons dans la forêt, il me demande de lui raconter des histoires. Il adore Don Quichotte. Il est encore petit, mais c'est un garçon très intelligent et observateur pour son âge. Si nous n'étions pas coincés ici, il aurait pu devenir savant. J'ai été imprudent. J'aurais juré avoir tiré dans la tête de ce loup et pourtant il s'est jeté sur moi. J'ai réussi à retourner à la cabane, mais ma plaie a gonflé et a changé de couleur. Je ne supporte pas de voir mon petit-fils inquiet. Mon corps bouge tout seul et j'entends des voix dans ma tête. Est-ce que je deviens fou? Je ne peux pas mourir et abandonner cet enfant. Seigneur, protège-le. Allez, bague avec pierre rouge. Très bien, on a donc le fameux trésor qu'on ne pouvait avoir qu'après être revenu ici. Et forcément, vous l'aurez compris, après la cinématique. Allez, on fait un petit tour au calme. Et puis voilà, on va sortir, on va reprendre le bateau. Je pense que nous n'avons évidemment plus rien à faire ici. Le bateau. Il est là. J'ai cru qu'il était plus là pendant un moment. On a... Oh là 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 là. Partout où il y a une torche, vous comprendrez que c'est un chemin un peu dissimulé, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. On a un chemin tout au bout là-bas. On a des bails ici. Non, attendez. Attendez, hein, parce que là, ça m'énerve. Moi, je vais te choper les 100 pesetas, hein. Rien à péter, hein. C'est de la monnaie. La YouTube monnaie, on prend. Allez, merci, au revoir. Revenons là où on en était. Oh, j'ai bien peur que... J'ai bien peur que notre objectif soit par là. Et là-bas, on a quoi? Ah, mais il est pas si grand que ça, le lac, hein. Sur la carte, ça paraît gigantesque, mais c'est pas si grand que ça. Ah, fallait que je vous le dise. Là, c'est de l'exclusivité, encore une fois, tout ça. Je le rappelle. Ok. Très bien. Ok, il y a 3 petites vaguelettes. On adore les vaguelettes. Il y a... une sorte de... B et un P prolongé. On adore les B et les P. Et ok, on a le trio. On a le trio. Ah non. Ne t'énerve pas. Alors on l'a refait. BP, trio. Et BP, trio. Et. Oh merde. Non, c'était B de tout à l'heure. BP, trio et... Je me souviens déjà plus. Incroyable cette perte de mémoire. Incroyable cette mémoire. Perte de mémoire instantanée là. En gros, ça fait... Ça fait ça. Ça fait... Ça à l'envers. Et... Ben oui. Évidemment, les vaguelettes.
Je savais que j'allais retrouver une fois devant. Allez. On a... Hop. Oh. Ça, c'est beau, ça. On a la dernière. Oh. 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 Ok. Oh. Ok. Ça me plaît. Ça me plaît, mon petit pote. On se casse. On a littéralement plus rien à faire ici. On est bien d'accord. Bon. Écoutez. On va retourner là. Parce qu'il y a le vendeur. Et après, on ira juste en face. Ça marche? J'espère que c'est bon, c'est tout bon pour vous. Parce que là, on a des choses à lui vendre. On a l'œuf doré. Qui plus est. Wow, 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 wow. Doucement, doucement. Je bombarde de trop, là. On a l'œuf doré, on a plein de choses. Là, c'était les poules. Et à gauche des poules. Par contre, ce bateau... Comment on a les trésors, hein? Non, c'est là. Comment on accède à ce bateau? À moins que le lac soit asséché. Ouais. Ah, d'accord. Heureusement qu'on est venu. Heureusement qu'on a fait tout ça. Waouh, une alexandrite superbe. On va pouvoir dessertir. Ok. Il y a forcément un autre truc qui doit se cacher quelque part. Merci, au revoir. Oh, oui. Oh oui. Oh oui. Oh, quel bonheur. Les amis, vous n'avez pas idée de ce qu'il est en de ce qui est en train de se passer. Ok. Ok, c'est bon, j'ai... Vous avez pas idée de ce qui est en train de se passer. Oh là là, comment je suis trop content. Les amis, je vous présente le pistolet le plus puissant du jeu à l'époque. C'est celui-ci qu'il fallait... comment dire? Oh là 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 là... C'est celui-ci qu'il fallait up au max. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Waouh, comment je suis content de vous. Alors, je pense qu'il l'est encore, hein, puisqu'on a trouvé au milieu du lac. Oh, je suis trop content. Oh là là. Oh, je suis refait. Je suis refait de fou. Hop, c'est totalement derrière. Totalement derrière. Totalement par là-bas. Ouais. Ouais. Oh, comment je suis content. Oh là 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 là. Le Red 9. Le Red 9, on l'a. Quel bonheur. Ok. Oh, oh, oh. Je suis trop content. Alors, regardez bien. On va passer un petit peu de temps sur tout ce qui est retiré des pierres. Ok, certir. Si je fais ça ici. Si je fais ça ici. Et si je fais ça ici. Et si je fais ça ici. Ok. Pas mal. Qu'en pensez-vous? Là, on peut rien en faire. Là, on peut rien en faire. Et cette magnifique pipe. On peut rien en faire. Et, qui plus est,
Ce collier, cette broche, pardon, on ne peut rien en faire. J'ai quelque chose qui... Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Ma marchandise est en parfait état. Wow. Je vous garantis qu'on ne fera jamais ce jeu avec... On essaiera de ne jamais prendre et de ne jamais utiliser le lance-roquette. Le prix, par contre... Parce que c'est un peu broken, hein, vous l'aurez compris. Étranger. Oh. Je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Oh, merci mon pote. Même si la taille ne fait pas tout, pas vrai. Merci mon pote. Je vais te revendre le Punisher, désolé. Déjà une plus affaire loin. Bien conclue. Je pensais qu'on allait l'avoir bien plus tôt. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Très bien, ça. Et voilà, comme tu l'as demandé. Très bien, j'ai plein de choses intéressantes à voir. Oh lolo, la crosse à la ricrosse. On adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer elles peuvent tout faire. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Ouais. Allez. Parfait. Voilà. Merci mon pote. Oh. Ça devrait t'aider. Fais bonne route. Oh, c'est incroyable. Ok. Bougez pas. Ça. Hop. Oh la vache, ça prend beaucoup de place, hein. I am shocked. Oh là là, c'est trop bien. On est trop chaud. Ok, on va save. Ok, mon pote, on va save. Ici, tiens. Allez. Ouah, comment je suis content. C'est ouf. La vie, c'est parfois ça. C'est des petites choses simples, mon ref. C'est parti, on va sortir le bordel. Oh. Oh oui, mais c'est vrai, il y a aussi ça à mettre. Oh, vas-y, venez, on va le faire. Oh oui, venez, on va le faire. Il doit y avoir une dinguerie. Oh, mais tout a commencé, épisode 6, et là, c'est la folie des trésors. C'est ça, la satisfaction de Resident Evil 4, bordel. Oh, mes aïeux. Je dis oui. Ok. Hop, cascade. Regardez-moi ça. Ok. Ah. Oh, non. Oh non, les galères. Oh, les galères. Alors, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais apparemment, ça se mérite, hein. Oh, les galères. Ok. On va jamais y arriver, c'est impossible. C'est impossible, frère. Attends. Quoi? Le million, on va dire qu'on s'en balait. D'accord.
Ok. Ok. Ça change toute la physionomie du match. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est impossible, frère. Waouh, les gars, ça va demander énormément de temps. Hein. What the fuck? J'ai réussi. Oh. Oh. Ça vaut que 15 000. C'était la pire énigme du monde. Et ça ne vaut que 15 000. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est content. On est content, on est content. Ouah, c'était... Il y a eu un silence de fou, les gars, parce que j'étais... J'étais en suspense, hein. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est, quoi? Vraiment, hein, faut le savoir. Hein. Ok. Oh, là, il y a tellement de trésors à récupérer. Oh. Waouh. Chat, on n'est pas prêt d'avancer. Allez, on retourne où il y a le bateau. Oh là 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 là. Et il y a bientôt le géant, je pense, en plus. C'est ça, le truc. Ouais, c'est bien ce que je pensais, le petit hôtel est là-bas. Et quand on parle d'un petit hôtel, on parle pas d'un hôtel à dormir. Ah ouais. Allez, let's go. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ok. D'accord. Eh ben, on va attendre les autres pierres précieuses au cas où. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais, je sais même plus. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Donc,
J'en perds le sens des priorités. Nouveauté en stock. Ok. Je sais ce qu'on va faire. Normalement, déjà, si je vais bien, c'est Juva Mine. Et ensuite, on n'a plus grand chose à faire autour du lac. On a tout fait. Qu'est-ce qu'on a ? On a un tiroir verrouillé, mais j'ai pas. Mais on a tout fait. On a tout fait. Ouais. On a fait tout ce qu'il y avait à faire autour du lac. À la limite, il manque un petit trésor, vous serez me pardonné. Ah oui, on se barre. Ok. C'est ici. C'est ici la sortie. Tout ça, c'est de la nouveauté. Hein. Ça n'existait pas dans Resident Evil 4 de base, il faut le savoir. Ok, tout ça, on a pris. Ok. C'est dans la grotte à gauche. On va enfin avoir la clé de l'église et donc pouvoir retrouver Ashley. Hey. Ça marche bien. Hey. Ça marche bien. Condor 1 à Perchoir. J'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1, terminé. C'est parti, les amis. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. On n'a plus rien à faire ici. C'est quoi, tout ça? Ça, c'est, ça sera le château, je présume. On n'a plus autant de secrets qui traînent, en vrai. Hein. Il y a la place du village, toujours. Il y a ces endroits-là, mais en vrai, ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être ok, tiers. Attendez, je vais où, moi? Il faut que je retourne là-bas. Et je pense qu'on va affronter le troll, c'est ça? Je pense qu'on va affronter le troll, les amis. Ça y est, le moment est venu. Le moment est venu. Let's go! 16 balles, c'est peu. Hein. 16 balles, c'est très très peu. Ok. Alors, 16 balles, c'est très 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 peu. Ok, au moins on est tranquille. À save ici. Il est en train de prendre de... Dégage l'odeur du combat, la nuit. Il était en train de prendre de la cocaïne ou quoi? Ok. Vous êtes prêts, les amis? Gros fight qui va arriver. Ça promet de swinguer. Allez, c'est parti! Bonne chance. Merde. Gloria a las plagas. Stylé, voilà mon frère. Allez, let's go. Allez. Vas-y mon chien. Ça, c'est une maison, ça, monsieur. Let's go! Voilà, mon chien!
C'est un loup, mais t'as compris. Non ! C'est rien. Et il meurt, c'est pas vrai. J'ai plus de balles. Qu'est-ce que c'est? Mon chien, on va pas s'en sortir. Il m'a éclaté la gueule. Allez mon loup. Mort. Ouah, c'est dur. Merci mon loup, t'es comme un loup pour moi. J'ai failli finir en crêpe. Ok. Les amis, je crois qu'il est temps. Il est temps de sortir comme il se doit. Voilà, il est temps de sortir comme il se doit. Okay. La pierre, évidemment. Direction l'église. On peut pas dire merci aux frères, là. Regarde ce qui s'est passé. Il est où, là, le loup? Il est où? Il est où le loup? C'est quoi ça? Des couteaux de cuisine. Super. Merci mon frère! Ok. Oh, il nous avait donné de quoi nous battre, évidemment. Ai-je besoin de ça? Je ne pense pas. Et ben voilà, c'est une bonne chose de faite. Et si je ne m'abuse, il vient de là, le man. Hein. 6 mois. Ses dents viennent à peine de percer, mais il enfonce tout ce qui se trouve à portée de sa bouche. Il ne peut pas encore mâcher, mais il a avalé un chien tout entier. 9 mois, il est déjà plus grand que moi, mais sa croissance ne semble vouloir s'arrêter. Il commence à être à l'étroit dans la maison communale. 10 mois, nous l'avons déplacé dans la carrière, mais il continue à grandir. Il est capable de dévorer une vache entière en seulement 3 jours. 13 mois, il peut brandir notre plus grande pioche. Comme si ce n'était qu'une brindille. Un des hommes du village a bien failli se faire manger aujourd'hui. Il lui faut plus de nourriture. 17 mois, il ne nous reste plus que quelques vaches. À ce rythme-là, tout le village va manquer de nourriture. Nous avons demandé de l'aide au château et ils l'ont endormi à l'aide d'une incantation. Espérons qu'il ne se réveille pas de sitôt. Ah bah oui. D'accord, c'était son garde-manger. Ok, bien. Très bien. Très bien. Ok les amis, je pense qu'il est temps pour nous de retourner un petit peu en arrière pour save et de s'arrêter là. J'espère que cette aventure vous fait incroyablement plaisir. En tout cas, c'est totalement fou ce qui se passe. J'adore, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de lag, il n'y a plus de perte d'image. Je suis refait. Bisous, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, à bientôt tout le monde. Bye bye. Tiens, attendez, je vais pas vendre tout de suite. On se fera ce petit plaisir lors du prochain épisode.